Combien de craies j'aurais besoin pour tracer une ligne de 100 km? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais tracer une ligne de 100 km à la craie. Pour faire ces 100 km, je vais partir de Noisy-le-Grand pour arriver à Chartres. Le but, c'est de le faire en moins de 48 heures. Et pour ça, j'aurai la chance d'avoir plusieurs moyens de déplacement qui vont me faire gagner du temps ou m'en faire perdre. Combien de craies ça prend pour faire une ligne de 100 km? C'est parti. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo. J'adore le concept, vraiment. Je suis en pleine transformation physique, donc quoi de mieux que de marcher pendant 2 jours? Combien de kilomètres on a fait là? À peine 500 mètres et on a déjà une couille. J'ai un peu peur pour ce challenge là. Regardez ce qu'on a consommé déjà. En tout, j'ai 250 craies en espérant que ça tienne. Allez, on reprend, on se remet là et c'est parti. J'ai déjà mal au bras. Je te le jure, j'ai mal au bras. C'est parce qu'en fait, il faut que je force un peu sur la craie. Parce que les gars, si je force pas, voilà ce qui se passe. Ça marque pas, donc on n'est pas là pour tricher. J'ai peut-être pas pris la meilleure couleur pour faire ce challenge. Ça marche encore mieux? Presque. Pause de la séance. Ta gueule, putain, l'application là qui me casse les couilles. Elle est partie? Bah, vous savez quoi, on va finir avec la main. C'est impossible. L'application vient de nous dire qu'on a fait presque 700 mètres, donc on est pratiquement 1 km et il nous manque ça. Donc ça veut dire qu'une craie, c'est à peu près 1 km. On en a 250. Donc logiquement, on est bien. C'est bien des no toxicos. On est reparti. Anto, ça va? Ouais, ça va. Tranquille, il te reste plus que 99 km. Hein. Ça vous aime pas, tu fermes ta gueule. Ça consomme hein, le bitume. Oh là! J'ai dû changer encore la craie. Bon, là, je suis vraiment tout seul pour un bon 4 km. En tout cas, ce challenge me plaît beaucoup pour l'instant. Ça me fait sortir, ça me fait prendre l'air. Moi qui est toujours enfermé dans mon studio. Sans la craie, ça aurait été parfait. Mais à quoi bon faire 100 km juste pour faire 100 km? Autant essayer de marquer l'histoire. Le sol est parfait. Et surtout, il est super lisse, donc j'ai pas beaucoup à forcer sur la craie. N'hésitez pas dès maintenant à vous abonner à la chaîne, les frérots. Si vous aimez bien ce genre de contenu, dites-le moi en commentaire. Proposez-moi des défis un peu cons comme ça. Si j'aime bien, si je valide, je le ferai avec plaisir. Allez, on va essayer de marcher un peu plus vite. Le sol est lisse, le sol est fait pour ça. Oh putain. Reprise de la séance. Par contre, je mens pas, je commence à avoir mal au poignet, mais de ouf. Là, il me reste 29 minutes pour arriver au point pour enfin choisir un véhicule. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah oui, je peux aussi tomber sur des contraintes. Ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément qu'un truc bien. Je peux tomber sur un truc, genre en gros, qui va me mettre encore plus en retard. Et ça, j'ai pas envie. Ok, faut bientôt que je change ma craie. Mais dis donc, vous êtes pas propre là. Vous êtes lavé ce matin ou quoi? Lol. Et c'est reparti. Je commence un tout petit peu à être en mode ok, ça va être long. Et un tout petit peu. En même temps, là, on est sur les premiers kilomètres, c'est normal. Donc, je veux savoir un truc. Quand je marche beaucoup, j'ai mal aux couilles. Voilà. Distance 4 km. Allure moyenne 12 minutes 55 secondes par kilomètre. Hop, mon poignet, il est mort. Bah, vas-y, à choisir, je prends ça, moi. À toute. Eh, hey, mais ça lève de fou, hein. Par contre, j'arrête parce que j'ai eu très peur. Ça fait trop peur, moi. C'est trop sensible, c'est un engin de mort. Vraiment, c'est un engin de putain de mort. Ah, il y a une roue qui peut tourner. Ah, je le savais. Il y a soit des rollers électriques, la trottinette scoot de bite, trottinette électrique et chasse. À quel moment ça va m'aider, ça? Ça, oui, moto électrique, skateboard. D'ailleurs, un grand merci au frérot Scoot de Street qui nous a prêté pratiquement tout, en fait, tout ce qu'il y a ici. Moto électrique. Oh, yes! Ouais! Wesh! Ok, c'est parti, je pars avec la trotte électrique, j'espère que ça va m'aider. Voilà tout, hein. Et ouais, c'est cool. Juste, j'ai pas la main sur le frein. Mais je vais gagner du temps, ça c'est bien ça. Bon, c'est beaucoup plus simple que à pied, hein. Ça va beaucoup plus vite, hein. Vous, toi? Ouais, en 15 minutes. T'as fait ce que t'as fait en 1h30. Putain, donc là j'ai de l'avance au final, non? On va dire ça. Ah, j'ai pas l'avance. Là, les abos, là, vous, la commu, Pio et Nicolas, je pars. Et vous vous dites entre vous comment je range. Ok? Salut. Hein. Est-ce que j'ai l'air d'un gogol? On dirait un malade. Très sincèrement, ça commence à être dur. Allez, salut. Hein. Salut, Google. Allez! On trace pas de trait, nous! Regardez, madame, je suis en train de tracer une ligne de 100 km. J'arrive!
putain, non. J'ai pété ma craie. J'ai pété les plombs. Ouais, sur ça, là, on dirait que j'ai rien fait. Mais juste le sol est horrible, regardez. Il faut vraiment que j'appuie comme un cinglé pour qu'on le voit bien. Oh, mais bon, on peut le suivre à la trace. J'ai même plus besoin du GPS, tu sais quoi. Je pensais que t'allais écrire 30 km. Ah oui, on est aux 30 km là, ouais. Mais tu sais, c'est là ce qui t'attend. C'est la marche, c'est ça. Putain, t'es malin toi. Au pire, je tourne la roue. Après. Au pire, je marche comme ça, regarde. Au pire, je marche comme ça. Ça est la vie, là, la dalle. Attends, quoi? Tu veux que je le mette dans le cul? Attends, je vais essayer. Ça, mais non, ça marche pas. Attends, restez là, je vais juste chercher un truc dans le camion. Ahmed, c'est fermé. Je voulais prendre le scooter et me barrer. Régale-moi. Vraiment, ce qui est le plus dur dans cette vidéo, c'est que des fois, je réfléchis à ma vie, je me dis, putain, je suis vraiment en train de tracer un trait. Et c'est tout. Du coup, j'ai utilisé 4 paquets de 11 craies. Là, j'entame le 5ème paquet, du coup. J'ai carrément de la merde d'oiseaux dessus. Bon, allez, les gars, j'y vais, moi. Bon, vas-y. Ah non, 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 mec. Quoi? C'est à pied, là. Ah ouais, c'est à pied. C'est à pied. Ouais, j'ai arrêté, on dirait des flics. C'est parti. Naruto. Ok, là, on se motive, on s'arrête plus, les frérots. Ça y est, je suis remotivé, là. Tout à l'heure, j'ai eu un petit coup de désespoir. J'ai une solution pour que la craie, ça se voit encore plus. Parce que je suis désolé pour moi, si la craie, ça se voit pas, le challenge n'est pas respecté. Regardez, faut juste que j'appuie beaucoup plus. Et là, on la voit bien. J'ai plus de craie. Je m'ai endormi et j'ai entendu un malade gueuler, là. C'est long, hein, la marche, hein. Faut que je change la craie. Et après, mon petit trait, carrément, il peut faire une évolution. Un petit moment, j'ai eu peur pour toi, je pensais qu'il allait pleuvoir. Ouais, bah il a commencé à pleuvoir. Hein. Ouais, ouais, j'ai vu. Bah, regarde, tu viens d'ouvrir ta gueule. Et il rentre. Je sais pas pourquoi, mais les gens me regardent de plus en plus mal. Ah ouais? Personne m'a regardé dans la journée en mode « Oh, tu fais un trait ?» Non, personne. État de mon poignet. Non, j'ai trop mal au poignet. Regarde, ça m'a fait quoi carrément? C'est le mec qu'on rajoute. T'as vraiment mal? Ah, vraiment, mon poignet. Je pense que j'ai peur d'avoir un problème au poignet. Ah ouais? Ouais, je crois, c'est comme ça. En vrai, pour dire que c'est toi, fais ta signature. Regardez si vous voulez la reproduire pour les impôts et tout. Ah oui, pour les impôts, avec plaisir, faites-le. Elle est belle, ma ligne ou pas? Il m'a trop mal regardé. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Vas-y, 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 viens. Merci mon rêve, merci, passe hein. Une bonne journée. Vas-y, vas-y, bon courage. Salut mon rêve. Tu lui as dit bon courage alors que c'est vraiment à moi qu'il faut dire bon courage, sale chien. C'est vrai que toi je te l'ai même pas dit à toi. Là on est bientôt à 35. Ouais. Ta gueule. Ah oui. Le plus important c'est de tracer. On m'a toujours dit dans la vie, quand quelqu'un il t'aime pas, trace ta route. Regarde la route. Oh, il marque bien là. On a fini la vidéo, ça y est. Non. Allez, on range tout, allez, on y va. Allez, salut Nico. Oh, oh. Et j'ai un truc qui va te faire plaisir, Anto. C'est quoi? Ouvre le camion. Nous y est. J'ai oublié de charger. Oh, je l'ai pas chargé. Sérieux? Attends, laisse-moi réfléchir à la couleur. Allez, salut! Salut, bande de bolos! Moi, je vais t'emparer, moi! Elle lève tellement facilement. Ok, j'ai failli mourir, pardon. J'arrivais plus à. C'est un truc électrique? Un vélo et moto en même temps? C'est parti! En moto, il pleut de ouf, rien n'est bon, j'ai peur de ça, ça accélère trop vite, c'est galère. On part en arrière là, non? Doucement, doucement, plus haut. Doucement, à gauche. Waouh! Mon casque de bouffon! Regardez comment j'ai consommé jusqu'à la mort. On va dans un tunnel là! Regarde, on est dans un tunnel! Y'a Nicolas! Oui, j'ai vu la cam! J'ai mal au cul, j'en peux plus.
Ah, il a crié. Il a crié comme une petite fille. C'est la fin de la auto. C'était horrible. Moi aussi j'ai mal au cul, sa mère. Ah, j'ai l'impression que vraiment je me suis pris une beuteuse. 20 km en moto électrique à 2, c'est horrible. 55. 55 ? Donc on a dépassé la moitié. Là, on est là, là. Il manque ça. Putain, ça va. Regarde ma ligne, on la voit quand même sur la terre. Hein. 50. Ouais ! Roller électrique ? J'ai jamais testé. C'est des rollers électriques et c'est pas du tout une sponsor, mais c'est un pote à moi qui les a créés et me les a prêtés pour le tournage. Atmos Gear. C'est les premiers rollers au monde électriques. Qu'est-ce qu'il y a ? Attends, le mec il se plaint quoi. C'est une blague ? C'est une grosse blague. Oh, le bruit du futuriste. Reste à côté de moi si vous voulez juste pour un test. En plus, il m'a dit, t'es sûr t'as déjà fait du roller et tout ? Je dis ouais, t'inquiète. Faut que tu t'en esquives encore. Ok, c'est trop bien en fait, tu peux freiner doucement. Je peux plus m'arrêter. Oh, c'est incroyable la vie de ma mère. Je suis que sur le bouton de frein les gars, je suis pas du tout sur le bouton d'accélération. On dirait que je suis au ski. Putain, il y a une descente de ouf là. Je suis en train de faire exprès les gars, j'ai éteint la manette. Ah oh, putain, je vais bien qu'on retourne la roue ouais. S'il te plaît, un truc bien. J'ai même pas envie de parler. Oh putain. Oh là 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 là. Mais laissez-moi petit. Bah oui qu'il a eu peur le pauvre monsieur. Rien ne va. On respire. Bien. Faut que je sois normal. Pio. Regarde mon pied comment il s'enlève. Non, j'arrête tout. Là les rollers, ça va. Roller coaster, là, ça m'a calmé. J'arrête tout. Aide-moi, m'asseoir par terre. Je vais m'arrêter, j'en ai marre. La pire invention de l'homme. Voilà, elle est là. Ah. Oh putain. Je suis content, mais je suis à la fois, c'est galère quand même. Mais... Là, c'est quoi, c'est 20 km qu'il faut faire ? Bah, ça sera beaucoup plus rapide. Je suis même plus content d'avoir le meilleur véhicule de la liste. Tellement que j'en peux plus. Franchement, pour moi, le meilleur véhicule de la liste, c'est ça. C'est vraiment les pieds, marcher. C'est le truc le plus serein que je peux avoir. Je vais me le scotcher aux pieds, tout simplement, voilà. Ne reproduisez pas ça chez vous encore une fois. Enfin, qui veut faire ça ? Ouais, ça trace bien. C'était la meilleure idée qu'on a eue de le mettre aux pieds, putain ! Oh, que j'aime, là, c'est beau. Un peu relou pour changer les craies, quand même. Putain, j'ai envie de la finir cette vidéo, j'ai envie que tout se passe bien, mais c'est même pas physiquement que c'est galère, mais c'est surtout en fait d'un point de vue craie quoi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. La craie se casse facilement, donc on peut pas le faire rapidement. Franchement, le concept, vraiment, l'un des plus durs que j'ai fait de ma vie. Hein. Change de craie. Putain, j'ai qu'une envie, c'est de bombarder là. Putain, j'en peux plus. Je dois être focus sur la ligne, si elle marque bien, si la craie n'est pas cassée. Il y a des fois, je peux aller super vite, si on a trouvé une solution pour aller vite, mais il y a des fois, je peux vraiment pas aller vite. Il y a Nico. Regarde ma lignée, regarde ma lignée. Je voyais rien, on voit rien. On la voit là, la canne là ouais, un peu. Regardez, le système, il est mort. Je dois enfoncer deux craies. Mais au moins, c'est bien, ça se consomme moins rapidement. Donc ça, c'est bénef. C'était atroce. C'était les 20 km, je meurs de froid. Ouais, vas-y, dis-moi l'heure. 22h40. Du coup, on a à combien de kilomètres, juste pour me faire du bien un peu au cerveau ? Combien ? 75. Putain, mais je me dis, mec, imagine si on n'avait pas eu les instruments de torture là dans le camion. Là. Mais là, j'en serais encore à quoi ? 25. Et bah, du coup, là, on a fait 75 km. Je vais faire 7-5. Voilà. Et bah, maintenant, il est l'heure de manger. Un bon plat. Après. On fait quoi là ? 5 km. Je tourne la roue ? Je tourne la roue ? Non, à pied. À pied, 5 km. En vrai, tant mieux. Je suis content, j'ai mal au cul. Là, ça va me faire du bien de marcher. J'ai froid, ça va me réchauffer. Tout seul, ouais. Et ensuite, je mange. Bon, bah, c'est parti. Je vais même pas montrer, elle est où. Eh, les gars, vous allez pas m'en vouloir dans cette vidéo, mais c'est 100% sûr qu'il n'y a pas la ligne qui est complète. Vraiment, je suis à bout. Regardez, même mon truc, il veut plus être là. Même le... Putain. On se dit qu'on est en détente, là. Après, on a fini. Enfin, on a fini. On fait une grosse pause. Franchement, les gars, c'est super dur. En fait, le plus dur pour moi mentalement, c'est vraiment j'ai envie de respecter le truc à fond. De base, il était gros comme ça. Là, on l'a rongé tout ça. Donc, je pense qu'il y a plein de moments où en fait, j'ai marqué du plastique au sol et pas de la craie. Je suis honnête avec vous. Donc, sur la moto, par contre, on a bien kiffé sur la moto.
On n'a pas pu. Ah ouais, par contre il faisait froid, mais on n'a pas pu tout filmer parce qu'il faisait trop nuit et les gars, les cams ne tiennent plus. Les voitures, mais... les voitures. Ouais, les voitures qui nous klaxonnaient et tout. Mais en vrai, c'était un putain de plaisir. Si on m'avait dit qu'un jour dans ma vie j'en serais à faire ça, j'y aurais pas cru. Les gars, c'est là le point de rendez-vous. En vrai, c'est passé vite, on a bien rigolé. Enfin, attends, parce que j'entends encore des bruits là. D'avoir des sangliers ici. Ouais, je disais, après réflexion, la craie, c'était pas du tout, mais du tout le meilleur outil pour faire ce concept. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que j'aurais pu utiliser qui est biodégradable, qui dégrade pas non plus les rues, mais qui aurait pu être plus facilement visible. Dites-vous que j'en ai eu pour 200 euros de craie. D'arriver. Par contre, toi, faut qu'on parle. Hein. C'était quoi ce plan pour nous tuer là? T'as vu par quoi ça nous a fait passer? Je regarde la loc, je vois quoi? Dans le chemin que j'ai pas donné. Ah, je te jure, on a suivi ce chemin-là. Mec, on n'en pouvait plus. On est passé devant des églises abandonnées. C'est un truc historique, respecte-le. Il y a des cercueils et tout, mais qui font bader. Et on est passé dans un truc, une forêt noire totale avec des bruits bizarres et tout. Et juste après, bam, l'église, juste après, cercueil et tout, tombeau. Ah non, ça m'a fait bader. Ok, du coup, là, c'est le point fin. Aujourd'hui, quoi. Du coup, là, c'est quoi le plan, là? Déjà, là, c'est bon. Oui, je peux arrêter de tracer là. Là, je pense, là, je vais arrêter de te faire marcher. Tu me fais marcher depuis le début? Ah, mais en fait, tu me fais marcher, genre, c'est pas vrai, genre, on n'est pas dans une vidéo YouTube. Et là, on est encore à Noisy-le-Grand là. J'ai mal aux pieds. Je sais pas si tu vois une maison à côté. Regarde, Pio. Et voilà ce qu'il subit, tu vas dormir dans le camion. Moi, personnellement, j'ai un BNB. Ah, ouais, donc lui. Ah, ouais. Bâtard. Et on va pas se faire attaquer ici. Et le chauffage, genre, c'est comment? C'est comment? Mais c'est un sac de couchage et c'est bon. Pour faire la caca. Mais pour faire caca, tu te démerdes. Regarde là-bas. Ah, c'est pour ça qu'il y a du PQ dans le camion. Bon, allez, les gars, on coupe les cams, on va tout setup et on se retrouve au moment où on est installé dedans et on va manger. Dans le camion, on mange la pâte. C'est pas pâte, mais non. Un peu plus. Ça va? Salut, je suis crevé, un peu plus, j'ai envie de finir aujourd'hui. Vraiment. Enfin, de toute façon, on est obligé de finir aujourd'hui. Moi aussi, je suis crevé, j'ai pris une douche. Ah ouais, oh le bâtard. J'ai trop raflé. Et il a fait que ronfler, Pio. T'as fait que ronfler. Comme un ouf, vraiment. J'ai très mal dormi, Pio a ronflé comme un bâtard. Je pensais avoir filmé avec la cam, mais j'étais tellement fatigué. Soit j'ai vraiment appuyé, mais je me suis trompé. Pour moi, je suis sûr d'avoir appuyé, j'ai entendu le petit cling. En fait, non. J'ai rêvé plusieurs fois d'avoir filmé, mais non. Je suis reposé à moitié. 30 électriques. C'est parfait, j'ai pu les charger. Parfait, oui, non. Ce qui serait parfait, ça serait de juste s'arrêter là, quoi. Même lui, il a plus envie d'être là, regarde. Là, vous vous dites, putain, il s'est carrément changé et tout. Non, non, c'est juste un ensemble sur un ensemble, tellement que j'avais froid. Quand j'enlève le kimono, il y en a un deuxième en dessous. J'ai mis le kimono. La connexion à l'application n'est pas en charge. Ah, il n'y a plus de stockage dans la carte SD, putain. C'est comme ça, hein. Sur YouTube, il y a toujours des guerres. Hein. De toute façon, tu sais, faut que je me lave. Je crois que je vais me mettre dans la machine à laver moi-même, hein, ce soir. Let's go! Pourquoi j'ai peur de mon c*** déjà? C'est le matin. C'est cool, là, ça y est, vu qu'il y a les deux craies attachées, là, je peux aller beaucoup plus vite, elles sont beaucoup plus résistantes. Oh, j'ai pété. Mes pieds, ils puent de ouf. Je vais avoir froid de ouf, je le sens. Par contre, je suis obligé de faire comme si j'étais sur un skate. Allez, les gars, il manque plus que seulement 35 km. Ça, je serai au point de la mort, là. Je vais me faire percuter, là. Quelle belle journée, putain, c'est beau par contre. Je peux pas trop freiner en plus, mais ça, bon, ça va. Yes, ça va monter là. Faut que je change mes craies. C'est paisible, j'aime bien ce qui se passe. Bon, j'ai pas tardé à me faire klaxonner, mais à part ça, ça va. En vrai, ça va, les gens sont cool ici. Ils comprennent que je suis en train de travailler là. On rentre dans une nouvelle ville qui s'appelle Moinville-Anneau. C'est quoi cette ville? Putain, c'est oppression qu'il y a quelqu'un qui tue. Ça fait peur, hein. Là, tout de suite, vous voyez, je suis où par rapport au point de départ. Allez! Il pleut, on s'arrête pas, on va aller faire les 100 km. Vous vous souvenez de tout à l'heure, le petit discours mignon que je vous ai fait en mode il fait beau, il fait chaud, on est bien, je suis à l'aise, j'ai mal au poignet, j'ai mal au pouce qui accélère et j'ai froid. Ah ! Je peux plus. Je vois plus rien. Nico ! Attends ! Une ligne de 100 km, je marque mon histoire. De l'ombre crépuscule, je laisse traîner l'espoir. Prendre l'air, voyager, c'est ma destinée. De ville en ville, je construis ma légende gravée. Ah ! On a 85 km, les gars, donc il manque 15. C'est le mec qui est fort en maths.
pas envie de faire le skate, putain. Ça va être vraiment mais super long avec le skate. Hein. Ah mais le sol est atroce. Ça se voit rien qu'à ça, regarde. Ouais, là, là. Allez, c'est parti. Le sol est terrible. Allez, salut. J'adore le skate, mais là, la route est horrible. Y'a moyen, j'échange le skate contre la trotte. J'ai déjà mal aux pieds. Enfin, ça vibre trop. Et j'ai l'impression de faire du skate sur Villebroquin, là. Non, mais au pire, je regarde ce qu'il y a dans le coffre. J'arrive. Non, mais je vais faire la roue. Tu peux ouvrir la porte, Nico. Les craies sont dans le coffre. Faut que tu ouvres. Bon, on se casse, hein, vu qu'il veut pas prendre le skate, il va le faire au skate. Ouvrez-moi ce coffre! Je m'assois à l'arrière du camion et comme ça je peux tracer. On l'a pas fait ce véhicule. Ça peut être drôle pour la vidéo. Non, mais on fait que 5 km, c'est tout. 5 km? Ouais, c'est tout, 5 km, ça va. Allez. En vrai, on l'a pas fait, c'est drôle, je trouve. Bah ça oui, c'est drôle. Allez, ouvre-moi le camion, allez, ouvre-moi le camion. Comment niquer un chargé de prod? J'ai juste dit c'est drôle pour la vidéo, c'est drôle. À partir de maintenant, je vais faire que gratter des kilomètres. Attends, Nicolas, attends, wesh. Attends, Nico, wesh. Oui, il s'excite, en plus, il y va d'un coup. Ah, là, on est tranquille, là, on profite enfin de la vidéo, là. On a vraiment de faire fondre des chamallows ou un truc, là, et d'attendre. À la fin, on a eu un sol parfait. 5 km, c'est bon ? 5 km, c'est bon. Ça m'a bien reposé et du coup, à la fois, ça m'a tué parce que du coup, maintenant, j'ai plus envie. Trottinette, freestyle, scoot de street. Ah bah, j'ai vraiment pas envie. Oh, en vrai, c'est carré de ouf ! Allez, après, il me restera, les gars, plus que 5 km. Ça, allez, c'est le mental, là. On entre dans une nouvelle ville qui s'appelle Nogent. Faille, le genre le faille. Qui vient d'ici là dans les commentaires? Impossible, personne vient de ça. Il vient de ça comme si genre c'était vraiment j'ai dénigré la ville. J'ai plus de jambes, c'était horrible la trotte. Mais en vrai ça allait, des fois il y avait des petites descentes donc il pouvait rester que juste comme ça. Combien de kilomètres il nous reste? Du coup il t'en reste 5. Là ces 5 derniers on va les faire à pied. Franchement, j'en peux plus, la trottinette, elle m'a tué les jambes. Ça m'a passé devant un lycée, génial. À gauche, je suis au bout de ma vie, j'en ai marre. Je suis dans une ville, je sais même pas c'est où, je sais même pas que ça existait sur la map. T'as fait une douche ce matin? Une bonne douche chaude. Bâtard. Le très heavy pour les caméras. Oh putain. Regarde, je peux même faire des petits slaloms et tout, regarde comme il est beau là. T'as pas vu, j'étais pas super à l'aise, du coup j'ai fait genre regarde mon slalom et tout, elle m'a battu les couilles slalom. Mais là c'est, il traîne par terre, tout traîne par terre, j'ai deux survêtes sur moi. Là je commence à avoir très très chaud là. Vous avez pas short de l'asile? Allez on change de petite coquette. Putain non, viens on traverse, pitié. Bonjour madame, regardez je trace une ligne de 100 km. Allez on s'arrête pas. J'en peux plus. Mais qu'est-ce que tu fous mec? On a pas fini hein. Essaye de manger un peu. Non mais ouais, t'es un ouf. Non. Putain, ça me dégoûte ce que je viens de faire. Vous voyez mon niveau, au début de la vidéo quand je me plains que je suis énervé là. J'étais par là. Là, actuellement je suis vraiment ici là. Genre vraiment je peux plus me voir ce putain de trait, ça me fait plus gaulerie. On y est là, du coup je le vois à la fin là. C'est où le milieu pour toi? En plein milieu. C'est quoi à la petite lumière là? Tu te battras ça à la main mec! Déjà pour commencer. Mais en plus ça te sert à quoi de faire ça? Je veux juste le rentrer dans mon sac, je veux être quelqu'un de normal, c'est tout. Tu peux me laisser être quelqu'un de normal s'il te plaît? J'ai pleuré. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, moi j'ai adoré et voici le nombre de craies qu'on a utilisé pour faire une ligne de 100 km à la craie. C'est beaucoup de craies. Et au final on a eu assez heureusement. Trop bonne expérience, je vais en garder un trop bon souvenir dans ma vie. Et surtout abonnez-vous à cette chaîne les gars, on est en route vers les 500 000. Let's go!